James, l'explorateur intrépide, fausse au volant de sa Dodge Charger pour battre son record sur ce parcours d'obstacles. Ne te réjouis pas trop vite, tu as de la concurrence. Bien essayé, Sorette. T'es à la traîne, Mason. Il faut que j'arrive à la rattraper. Avec une énorme boîte mystérieuse. Regarde, il y a un mot. Mason James, nous avons besoin de votre aide. Les morceaux d'une carte secrète ont été dissimulés dans le monde entier. Il faut que vous les retrouviez et que vous rassembliez la carte avant qu'il ne soit trop tard. Vous aurez 8 véhicules exceptionnels pour relever les défis qui vous attendent et trouver les indices nécessaires à votre mission. Nous comptons sur vous. Signé, Le Monde. Tesla Model Y. Ce mystère est de plus en plus cool. Regarde, un indice. Des arbres qui touchent le ciel, des pommes dures comme des dents. Le premier morceau se trouve dans un endroit sans étoiles et sans vent. Je sais que les séquoias géants sont les plus grands arbres du monde. Certains sont aussi hauts qu'un immeuble de 10 étages. Mais oui, et leurs cônes très durs ressemblent à des pommes de pin. C'est forcément ça. On n'a plus qu'à aller voir les forêts de séquoias géants en Californie. Mason James et Kayla se mettent en route. Ça alors? Je peux voir le ciel à travers la fenêtre du toit. T'as vu toutes ces étoiles? On ne trouvera jamais d'endroit sans étoiles par ici. Je n'en serais pas si sûre. Regarde, on va traverser un arbre. Au volant de sa Model Y, Mason James s'engouffre dans un tunnel creusé pour les voitures à l'intérieur du tronc d'un vrai séquoia. Il n'y a ni vent ni étoile au milieu d'un arbre. En revanche, j'aperçois quelque chose de très intéressant. Ça, ça n'a rien à faire ici. Ce doit être le trésor qu'on cherche. En avant! Oh non! C'est Emerson Felix, l'exploratrice déloyale. Une collectionneuse qui veut s'approprier tous les trésors de la planète. Et elle a volé la pyramide! Ha ha! Mason James! J'ai gagné! Oh oh! On doit absolument récupérer ce trésor. Vite! Tu ne m'attraperas jamais, Mason James. Je crois que j'ai une idée. Je dois rassembler le plus de pommes de pin possible. Marche arrière, toute! Mason James fait volte-face. Attention, les pneus! Qu'est-ce que c'est? Des pommes de pin? Ça a marché! À la prochaine, Emerson Felix! Ah! Les enfants, la pizza est arrivée! Merci, maman! Ah! Le doux parfum de la victoire! La pizza! Et ça, alors? En inspectant le trésor, Kayla découvre un compartiment secret. C'est un morceau de la carte. C'est justement ce qu'on devait trouver grâce à l'indice. On ferait mieux de retourner à la boîte. Mais ce qu'ignore Mason James, c'est qu'Emerson Felix n'était pas loin et a tout entendu à propos de la carte. On a réussi, Sorette. Et je sens que cette aventure ne fait que commencer. Ce trésor en forme de pyramide est sûrement un indice pour trouver notre prochaine destination. La prochaine aventure conduira-t-elle Mason James au pays des pyramides? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Wow! «
Mason James, l'explorateur intrépide, vient à peine d'achever sa dernière mission. Il a rejoint la mystérieuse boîte en attendant la suite. Cette petite pyramide est sûrement un indice sur notre prochaine destination. Mason James la dépose à côté de la mystérieuse boîte. Quand tout à coup, les portes s'ouvrent! Wow! Cette Ford Bronco est assez solide pour affronter n'importe quelle épreuve. Kayla, que dit l'indice? Le long de la péninsule du Yucatan au Mexique, il faut faire attention aux serpents. Le trésor se trouve où El Castillo est le plus grand. Je sais exactement où il faut aller. Au cours de ses voyages, Mason James a appris qu'il y avait de remarquables pyramides au Mexique. Mais oui! Comme les célèbres pyramides de Chichen Itza. Exact. Et celle qu'on aperçoit là-bas s'appelle El Castillo. Oh non! Voilà l'exploratrice déloyale, Emerson Félix! On dirait qu'elle a mis ce site en travaux pour nous empêcher de passer. Wow! Voilà qui devrait les ralentir le temps que j'arrive à résoudre cette fichue énigme. Je n'en serais pas si sûre. Mason James passe son fidèle 4x4 en mode para. Je dois d'abord attendre ce pont. Wow! Ne te réjouis pas trop vite. Emerson Félix est là pour t'arrêter. Je suis coincée! Hé! Reviens ici tout de suite! Maintenant, Mason James doit encore déchiffrer l'indice et trouver le trésor. Le trésor se trouve où El Castillo est le plus grand. Kayla, je tourne autour de la pyramide, mais je ne vois rien du tout. Je vais aller jeter un œil de ce côté. Tu te souviens que l'indice disait aussi de faire attention aux serpents? Tu savais que cette pyramide avait été construite pour honorer Kukulkan, qui est toujours représenté sous la forme d'un serpent à plumes? Allez, Mason James, mets les gaz! Ouf! On a eu chaud. Heureusement, ma Ford Bronco a suffisamment de chevaux pour battre ce serpent. Regarde! Au sommet de la pyramide! Génial! En triomphant du serpent, Mason James a déclenché un mécanisme et fait apparaître une statue! Oh non! Emerson Félix s'est libéré et elle a l'intention de la dérober! Pas d'inquiétude! Mason James a déjà appelé des renforts! Kayla! Vite! Attrape la statue! Je la tiens, frangin! Désolée, Emerson Félix! Oui! Non! On a réussi! Il est cool, ce trésor! Mason James s'y attendait. Le kangourou d'or possède bien un compartiment secret. C'est un autre morceau de la carte. Regarde, Kayla! Il se complète parfaitement. Je me demande bien pourquoi c'est une statue de kangourou. Mason James connaît déjà la réponse. Il n'existe qu'un seul endroit sur Terre où on trouve des kangourous à l'état sauvage. Et ça veut dire qu'il va lui falloir un véhicule tout-terrain. Génial! C'est pile ce qu'il me fallait! Mason James, l'explorateur intrépide, s'est lancé dans une chasse au trésor après avoir reçu une nouvelle mission de la mystérieuse boîte. Tu veux bien me relire l'indice qu'on a trouvé, Sorette?
Attends. Les kangourous sautillent, les crocodiles mordillent. Explorez le fin fond du bush et vous ferez mouche. On dit que l'Australie, c'est le pays des kangourous. Donc logiquement, le prochain morceau devrait être ici. Et la région qui entoure la Gibb River Road est l'endroit parfait pour dissimuler un trésor. Attention, Mason! Wow! Mason James enclenche le mode 4x4 de son Land Rover Defender pour traverser la rivière plus facilement. Regarde, ce sont les gorges Winjana! Il faut qu'on atteigne le haut de ces falaises. On pourra y voir les environs. Ce pont suspendu n'a pas l'air très solide. Wow, je ne sais pas s'il tiendra très longtemps. Mason, c'est quoi ce bruit? Des crocodiles. Ces crocos sont rapides. Ils peuvent sauter et ils ont la mâchoire la plus puissante du monde. On ne peut pas rester là. Mason James ajuste sa traction et commence à gravir la montagne. Wow! Qu'est-ce qu'elle est raide, cette piste rocheuse! Là-bas, une grotte! L'indice disait d'explorer le fin fond du bush. C'est peut-être parce que l'indice se trouve au fond d'une grotte. Mais les gorges sont trop escarpées. Comment l'atteindre? Je vais te montrer ça tout de suite. Le canyon s'écroule! On a eu chaud. Voyons si cette grotte renferme bien un trésor. Mason James s'enfonce de plus en plus dans les profondeurs de la terre en scrutant l'obscurité. Il y a quelque chose qui brille là-bas! C'est sûrement le trésor! Non, ce sont des chauves-souris fantômes! Les seules chauves-souris carnivores d'Australie! C'est quoi ça? C'est forcément le trésor! Il était caché derrière les chauves-souris! Mason, c'est quoi ce bruit? En s'emparant du trésor, Mason James a déclenché un éboulement! Fonce, Mason! Mason James s'échappe in extremis de la grotte avec le trésor et s'engage à vive allure sur la pente écroulée. Il est temps de partir. Attention, un ours! Il n'y a pas d'ours en Australie. Je voulais dire un koala! Les koalas ne sont pas des ours, ce sont des marsupiaux. Oh! Attention, un marsupial! Mason James rentre chez lui après son aventure australienne. Sans mon Land Rover, on aurait sûrement fini dans la gueule d'un crocodile. Voyons ce que nous cache ce trésor. Wow! Hé! Hey! Regarde! Ça s'ouvre! C'est un nouveau morceau de la carte! Il ne va pas avec les autres. Il doit nous en manquer un. Et il devrait se trouver non loin de ce magnifique château. Attends, je vais lire l'indice. Saucisse et bretzel, non loin de Berlin. Pour trouver le morceau, soyez rapide, discret et malin. Hé, hey, regarde! La mystérieuse boîte s'ouvre! Waouh! Elle a l'air rapide, cette voiture. Berlin, rapide, ça me rappelle une route célèbre dans le monde entier parce qu'on a le droit d'y rouler à la vitesse qu'on veut. Direction l'Allemagne. Mais ce que Mason James ignore, c'est que sa rivale Emerson Felix a tout entendu. J'ai tout entendu, Mason James. Rendez-vous sur l'autoroute. Sans perdre une seconde, Mason James, l'explorateur intrépide, s'élance sur la légendaire autoroute allemande, l'Autobahn. Waouh! Cette Volkswagen ID est faite pour la vitesse, ça se sent! Une seconde, les pilotes! N'oublie pas qu'on a une mission à accomplir! Rappelle-moi ce que disait l'indice du château! Saucisse et bretzel, non loin de Berlin. Pour trouver le morceau, soyez rapide, discret et malin. Berlin est la capitale de l'Allemagne.
Et on a le droit d'être rapide parce que sur l'autobahn, il y a toute une portion sans limitation de vitesse. Donc, on se trouve au bon endroit. Maintenant, il faut chercher le morceau de carte. Sauf que l'autobahn fait plus de 13 000 km de long. Ça représente environ 130 000 terrains de foot. C'est énorme! Soudain, Mason James aperçoit un château qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de l'indice. C'est ici! Mason James est arrivé au bon endroit. Mais que va-t-il faire maintenant? Wow! Hors de mon chemin, Mason James! Le trésor est à moi! Oh! C'est Emerson Felix, l'exploratrice déloyale. Elle a dû me suivre jusqu'ici. Oh oh, sa voiture a l'air rapide, Mason. Emerson collectionne les bolides tout autant que les trésors. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a choisi le meilleur pour cette mission. Où se trouve le trésor? Pendant ce temps... C'est super! Il y a une borne de recharge électrique dans cette station-service. Je vais pouvoir charger ma batterie. Emerson parcourt l'autoroute à pleine puissance en faisant un vacarme assourdissant. Vroom, vroom, vroom! L'indice disait qu'il fallait être discret et malin. Kayla, dépêche-toi! Monte dans ton Audi e-tron et rejoins-moi aussi vite que possible! J'ai réussi à déchiffrer l'indice! Je me doutais bien que tu y arriverais! Je suis déjà en chemin! Me voilà! L'indice disait « Soyez rapide, discret et malin ». C'est pour ça que la mystérieuse boîte m'a donné une voiture électrique ultra silencieuse. Elle est à la fois rapide et discrète. Hé! Il est où ce trésor? En observant Emerson qui fait vrombir son moteur, j'ai compris que pour trouver le trésor, il fallait qu'on roule très vite et silencieusement au-delà de ce point. Il faut que je le trouve! Oui! Et peut-être qu'il faut qu'on se croise aussi! C'est exactement ce que je me disais! On n'a plus qu'à essayer! Ah! Il n'y a pas de trésor ici! Mais qu'est-ce que j'ai roulé vite! Il n'y a rien dans le coin, tu perds ton temps! Je n'en serai pas si sûre! Tu es prête, Sorette? Ma batterie est pleine! C'est quand tu veux, Mason James! Vroom! 1, 2, 3, partez! Wow! On n'a pas été assez rapide! Hé! Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a créé des interférences sur ma radio! Ça fonctionne! Il faut qu'on aille encore plus vite! Encore plus vite? Oui! Cette portion de l'autobahn n'a pas de limite de vitesse! Prêt? Feu? Appuie sur champignon! Vite! Plus vite! La vitesse de nos voitures a créé une impulsion énergétique qui a activé une porte secrète. Oh, je le vois. Hé, ma portière est verrouillée. Ah non, c'est bon. Quoi? Elle s'est encore verrouillée. Cette impulsion énergétique a déréglé ma voiture. Tout va bien, Emerson Felix? Oui, mais ça irait beaucoup mieux si tu me donnais ce trésor. Aucune chance. Allez, il est temps de résoudre ce mystère. Est-ce que c'est ce que je crois? Mason James complète la carte avec le dernier morceau. On a réussi! Mais que représente cette carte? Attends! Regarde, elle est dans le mauvais sens! C'est une carte de la Floride, aux États-Unis! Le mystère est résolu! Mais l'est-il vraiment? En la retournant, Mason James et sa sœur découvrent un message secret inscrit au dos de la carte. Félicitations! Vous avez réussi! Gardez cette carte précieusement et entraînez-vous avec vos voitures, car dans les étoiles pourrait bien vous emmener votre prochaine aventure. Trop cool! Mason? Kayla? À table! Gardez cette carte précieusement. Ça veut dire que notre prochaine aventure nous mènera en Floride? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles là-bas? Peut-être que le trésor brille, ou qu'il est caché très haut. Mason James! J'ai un message urgent pour Mason James! Bip, 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 bip! Mason James, l'explorateur intrépide, rentre chez lui à toute vitesse après avoir reçu un message urgent de sa sœur! Mais où est donc passé Mason James? Wouhou!
d'entrer en fanfare, frérot. Regarde, la boîte mystérieuse est de retour. Génial! Ouais, je sais. Lors de notre dernière aventure, elle nous a confié des voitures super cool pour nous aider à reconstituer une carte secrète. Une carte de la Floride! Ce qui veut dire qu'un énorme trésor nous attend sûrement là-bas. Mais où? Peut-être que la prochaine mission de la boîte mystérieuse nous permettra de le découvrir. Trop cool! C'est une Renault Mégane e-tech! C'est une voiture française et électrique! Française? Que disait l'indice de la boîte mystérieuse? La Joconde est à Paris, mais le trésor que vous cherchez est ailleurs. 21 virages en 21 secondes et votre récompense vous trouvera. Direction la France! Je crois que je sais ce qui se cache derrière ces 21 virages. La plus célèbre course cycliste du monde a lieu en France. Et voici une de ses portions les plus difficiles. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. Cette étape comporte 21 virages en épingle super serrée. Si on en croit l'indice, il faut que tu parviennes à tous les passer en moins de 21 secondes pour atteindre le trésor. Oui. Lance le chrono, Sorette. J'y vais. La boîte mystérieuse m'a donné la voiture parfaite pour enchaîner les virages en épingle. Mais c'est moi qui atteindrai le trésor la première. Alors dis-moi tout de suite où il se trouve. Bien essayé, Emerson. Mais l'indice disait que ma récompense me trouverait. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rocher s'est détaché. Il ne faut pas rester là. Il faut qu'on aille plus vite. Accroche-toi. On a eu chaud. Et maintenant, où est le trésor? Pas si vite, Emerson. Je sens de la fumée. Un feu de forêt se dirige droit vers le village. Il faut qu'on aide la caserne 21 à maîtriser les flammes. Et le trésor, alors? Qu'est-ce que tu en fais? On verra ça plus tard. Les feux de forêt se propagent à toute vitesse et sont très dangereux. En avant! Il faut qu'on se dépêche. L'incendie se propage. Et ils ont besoin de renforts pour le maîtriser. Je dois faire le plein. N'oublie pas de vérifier ton échelle et ton matériel. Allez, on est parti. Suis-moi. Je vais raccorder les lances, Mason James. Prépare-toi à jouer les pompiers. Il faut éteindre ces flammes au plus vite. Ce genre de feu accidentel peut atteindre des températures très élevées et détruire toute une forêt. On a de moins en moins de pression. Il nous faut plus d'eau pour arrêter ce brasier. Il y a une rivière là-bas. Reste ici. Je vais demander à la nature de nous donner un coup de main pour la sauver. Super idée. Attaquons le feu sur deux fronts. Bravo, Mason James. Ça fonctionne. On a réussi. Ça, c'est du travail d'équipe. On se rejoint à la caserne. Ouais. Wouhou. Vous avez sauvé le village. Hé, où est passé Emerson Félix? Il faut que je pousse ce rocher pour dégager la route. Comme ça, je pourrai rejoindre le sommet et trouver le trésor avant Mason James. Emerson, tu n'arriveras jamais à pousser ce rocher toute seule. Mason James, j'étais juste en train de... Dégager la route pour les voitures et les cyclistes? C'est tout à fait ça. On va vous aider. On va s'y mettre tous ensemble. En douceur. Ça fonctionne. Beau travail. À plus, Mason James. Le trésor est à moi. Je n'en serais pas si sûre. Je crois qu'en fait, le trésor, c'est ce rocher. Une ampoule est gravée dessus. Oui, c'est sûrement un indice sur notre destination en Floride. Mason James, la boîte mystérieuse. Waouh! Avec un véhicule aussi robuste, notre prochaine mission aura sûrement lieu dans un endroit très sauvage. Wouhou !
Ce n'est pas le moment de jouer dans le sable. Je veux juste faire chauffer le moteur de cette Wrangler Superlift. Elle est trop cool. Et la boîte mystérieuse te l'a confiée pour que tu accomplisses ta mission et que tu trouves le prochain trésor. C'est vrai. Tu veux bien me relire l'indice? La plage de Copacabana a du soleil, des vagues et des surfeurs. Marque un point devant la colline si tu veux remporter le trésor. Au moins, on est sûr d'être au bon endroit. La plage de Copacabana est la plage la plus célèbre de Rio de Janeiro au Brésil. Marque un point devant la colline, ça veut dire quoi? Peut-être que ça a quelque chose à voir avec ce ballon de foot sur ta voiture. Wow! Tu vois quelque chose qui ressemble à un terrain de foot devant une colline? Pas pour l'instant. Il faut dire que cette plage est longue de près de 4,5 km et qu'elle est entourée de collines. J'ai une idée. Rejoins-moi à l'héliport. Mason James, l'explorateur intrépide, traverse les rues de Rio de Janeiro à toute allure pour rejoindre l'héliport. Je suis content que le grand carnaval n'ait pas lieu aujourd'hui. C'est un événement tellement énorme que la plupart des rues sont fermées à la circulation. Où est-ce que tu es, Kayla? Lève les yeux! Je me suis dit qu'on aurait une meilleure vue de la plage depuis les airs. Excellente idée! Allons-y! Essaie de voir si tu aperçois un terrain de foot dans ces collines! Pas pour l'instant, mais regarde! Ce bateau de pêche a hissé son drapeau de détresse! Ils ont sûrement des ennuis! Leur bateau prend l'eau. Il faut qu'on mette les passagers en sécurité. Cette corde de sauvetage devrait faire l'affaire. Stabilise ton hélico, Sorette. Oh non! Le ballon de foot! Génial! Le capitaine du bateau l'a attrapé au vol. Je vais le remonter. C'est bon, tout le monde est dans la Jeep. Et le capitaine nous a donné un indice. Notre ballon de foot lui a rappelé un endroit sur le Morro del Eme qui ressemble très fort à un but de foot. Regarde, c'est là! Si on ne les avait pas sauvés, on n'aurait jamais trouvé cet endroit. Ramenons ces pêcheurs sur la terre ferme. Le personnel de cet hôpital va s'assurer que tout le monde va bien. Hé, hey, où est passé mon ballon de foot? Ici, Mason James, je te l'ai volé quand tu es passé devant moi. Oh non, c'est Emerson Félix, l'exploratrice déloyale. Hé, Emerson, tu roules dans le mauvais sens. Avec cette voiture, y a pas de mauvais sens. Wow, sa voiture a un capot de chaque côté. Reviens ici tout de suite. Rends-moi ce ballon. Jamais. Oups, oh. Cette voiture n'est pas faite pour la plage. La boîte mystérieuse savait que j'aurais besoin d'un 4x4. Allez, ma superlift, en avant! Reviens ici tout de suite! Je dois réussir ce tir au but à tout prix pour marquer un point devant la colline. Vroom! Ha-ha! Je ne te laisserai pas marquer! J'ai deux moteurs pour aller dans les deux sens. C'est parfait pour jouer les gardiennes de but. Ah, je suis coincée. Boum. Et la passe. Regarde, voilà l'indice. Désolée, Emerson. On dirait que ta voiture à double sens est doublement embourbée. Non. Ouf. Je suis bien content d'avoir un 4x4 à vitesse courte. J'y suis presque. Et voilà, on se retrouve à la maison, Sorette. Voyons ce que ce trésor nous réserve comme indice. Une carte de la Floride, une ampoule et maintenant un cercle rouge. Je me demande ce que la boîte mystérieuse essaie de nous dire. Ça doit être important. À ton avis, pourquoi cet indice est inscrit sur un parchemin japonais? Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle mission. Et je te parie que ce sera au Japon.